Initié par le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Ndjamena, Mamad Zen Alhaj Yaya, en collaboration avec la délégation sanitaire, cette rencontre sur la pandémie de coronavirus appelée Covid-19 vise à outiller les chefs des 10 arrondissements, les leaders religieux sur la maladie et ses manifestations. Ceci en marge d'une campagne de sensibilisation des populations d'Ndjamena et de ses environs pour la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. On serait amené à prendre les mesures telles que nous les avons entendues dans d'autres pays, que la population ne soit pas impactée et que, la vie puisse continuer son cours. Le gouvernement ne permettrait pas à ce que des gens puissent, de leur propre chef, faire flamber le prix juste pour profiter de cette situation-là. Après un bref aperçu fait par la déléguée sanitaire, Dr Raouda Mamat Youssouf, qui a défini la pandémie comme la troisième génération d'une famille de virus qui provoque chez l'homme le rhume ou le syndrome respiratoire aigu sévère et qui se transmet par contact direct et par voie respiratoire, le coronavirus est pour l'heure mortel car il n'a aucun vaccin ni un traitement. Il s'en est suivi quelques questions de précision sur les mesures prises par le gouvernement, notamment la bonne hygiène, l'utilisation de mouchoirs à usage unique et le contrôle de l'étalage des produits alimentaires.